Bonjour, je m'appelle Armand Kenfak, j'ai 26 ans. Je vis à Rouen, dans la Normandie, et je suis auditeur financier chez PwC. Donc, pour mon parcours secondaire, moi j'ai commencé mon secondaire à Yaoundé, au CES de Ngoyekele, du coup, qui est un établissement qui va de la 6e en 3e. Donc pour la petite histoire, j'étais pas du tout parti pour faire cette école, je comptais pas du tout y aller, ni moi ni mes parents d'ailleurs. J'avais présenté au concours d'entrée en 6e au collège Vogt, que j'avais raté 2 fois. Donc je suis allé au CES, donc Ngoyekele, où j'ai fait du coup de la 6e en 3e. L'année la plus difficile, les années les plus difficiles, je veux dire, c'était la 6e, du coup parce que le changement était un peu brutal. Je m'attendais pas du tout à aller dans cet établissement-là et je tombais vraiment de haut quoi. Comparé à mon école primaire. Ensuite, la quatrième, parce que à l'école, ça se passait pas du tout bien, mais vraiment pas du tout. Et donc, j'ai voulu quitter d'école, changer d'école en troisième. Et j'ai tenté diverses voies, des études de dossier, des concours pour faire la troisième ailleurs. Mais ça s'est pas du tout fait. Au final, j'y suis resté. J'y ai fait ma troisième. Et il faut dire que j'étais plutôt très content d'être resté au final, à la fin de la troisième. Donc, au final, mon parcours de la 6e en 3e, voilà, je garde plutôt de beaux souvenirs. Mais au plan scolaire, enfin, pour mes parents, c'était voilà, c'est toujours la comparaison lycée-collège, quoi. Et donc, j'avais toujours l'anecdote de quand tu as peut-être 14 ou 13 de moyens, on te dit, ouais, c'est bien, mais bon, au pays des aveugles, les bons, ils sont rois, tu vois. Donc, du coup, tu n'as jamais l'impression de faire suffisamment bien, quoi. Et donc, du coup, en 3e, le CES se terminait, il fallait changer d'école. Donc j'ai repassé le concours d'entrée à Vogt pour la seconde du coup que j'ai eu cette fois-ci et là j'ai fait du coup de la seconde à la terminale. Donc j'ai eu mon bac du coup au collège Vogt baccalauréat D, bon SVT, mais j'aimais pas du tout la SVT du coup. Donc il fallait faire un choix pour l'université. Mes parents penchaient pour la médecine et moi pas du tout. Donc j'ai fait le concours d'entrée à l'université catholique d'Afrique centrale un peu malgré eux. Que j'ai eu d'ailleurs. Donc j'ai préparé le concours, je me suis inscrit, je l'ai passé. Et ils étaient bien contents au final du coup que j'ai pu l'avoir. Et donc là, à l'université catholique, j'ai fait de la première année au Master 2, une licence, donc d'abord une licence en comptabilité et finance, et ensuite un Master en comptabilité et finance. Initialement, je partais pour faire plus de la banque, parce que voilà, j'étais attiré par le cash, l'argent, tout ça. Et arrivé sur place, en deuxième année, fin deuxième année, il fallait faire un choix. Du coup, entre continuer en comptabilité et finance ou alors continuer plutôt en banque. Et j'ai fait le choix de continuer en comptabilité et finance parce que ça me donnait plus d'ouverture par rapport à ce que je voulais pour l'avenir. J'avais une vue plus globale sur les métiers de la gestion et de la finance. Et la banque me fermait un peu plus quand on est à la banque. Donc j'ai choisi de faire ça, de faire la comptabilité et finance. Donc j'ai fait ma licence en comptabilité et finance. Et ensuite, j'ai continué en master 1 et puis master 2. C'était de belles années aussi, avec beaucoup de choses que j'ai apprises, assécher les cours, où tu es taxé par les camarades ou mauvais élèves parce que tu n'es jamais en classe et tout. Mais voilà, enfin, à un moment, tu sais à peu près ce que tu veux et enfin, ça ne termine pas grand-chose pour la suite, quoi. Donc, je me suis orienté ensuite, je me suis dit qu'il fallait soit travailler, soit continuer l'école. Donc j'ai décidé de continuer des études en France du coup pour faire un master orienté plus en expertise comptable et en audit. Je vous redis la suite tout à l'heure. Ok, donc pour la France, pour la suite en France, il fallait du coup trouver une école qui va t'accepter. Et là, il y a plusieurs voies, soit université par études de dossier, par Campus France, soit des écoles de commerce. Via des concours du coup. Donc il y a un concours qui est très connu qui s'appelle le TAJMAJ qui se fait avec niveau licence. Donc moi je l'ai connu dès mon entrée à l'université catholique parce que j'avais un cousin qui était passé par là, qui avait fait le parcours, qui m'avait aiguillé quand même sur ce qu'il fallait faire et tout. Donc sur comment préparer le TAJMAJ et tout. Mais enfin, vous savez ce que c'est, j'ai pas du tout préparé le concours dans les temps qu'il fallait. J'ai laissé passer la licence, je l'ai pas fait en licence, comme je dis, j'ai fini en Master 2. Et donc là en Master 2, j'ai décidé de faire le concours. Donc, je me suis préparé à peu près en 3 mois. C'est pas beaucoup, c'est même pas ce qui est conseillé de faire d'ailleurs, mais c'est ça que j'avais fait. Je m'étais préparé en 3 mois pour passer mes épreuves du TAJMAJ qui comprend du coup 6 épreuves. Donc, c'est de la logique, des mathématiques, voilà.
C'est rien à voir du tout avec ce qu'on peut faire à l'école au quotidien, mais c'est vraiment des tests de QI. Donc j'ai préparé le concours moi seul, j'avais acheté un livre que mon cousin m'avait conseillé. Donc j'ai bossé avec ce livre-là, j'ai fait des épreuves, des tests blancs. Et le jour du concours, j'y suis allé. J'ai fait le concours, j'ai eu moins de 300 points en tout cas. Moins de 300 points, 300 qui est la barre généralement que lorsque tu l'as, c'est bon quoi, tu peux respirer. J'avais eu un peu moins de 300. Et ensuite, j'avais du coup envoyé mon score aux écoles. Donc, initialement, je visais le top des écoles, du coup, donc HEC, ESCP, tout le tralala. J'ai pas du tout eu ça parce que mon score n'était pas suffisamment bon. Ensuite, deuxième critère, il fallait le test d'anglais, le TOEIC ou le TOEFL, ce que vous voulez. Et là encore, c'était la catastrophe, un peu niveau d'anglais. Je partais vraiment de très très bas en anglais et ça s'était pas bien passé du tout avec mon score. Donc, les écoles que je voulais ne m'avaient pas prise. Et j'ai postulé à Neoma du coup. Neoma parce qu'on était, c'était très bien classé aussi. On avait un partenariat avec l'université, avec mon université. Donc j'ai envoyé mon dossier pour Neoma. Ils ont aimé ma candidature. J'ai passé l'entretien, même pas en physique. J'ai passé l'entretien par Skype, je pense, parce que je sortais des jeux universitaires et tout. Ouais, je m'étais préparé un peu à l'arrache. Donc voilà, mais bon, ça s'est fait au feeling, ça s'est bien passé. Donc ils m'ont accepté. Et du coup là, c'est un peu la fête quoi. Tu jubiles. Donc là, j'informe les parents de, voilà, les fautes de scolarité, c'est toujours le nœud du problème. Au départ, on est bien content que tu aies passé un concours, mais après, ça se corse un peu au niveau de la scolarité. Mais bon, ça, on a réussi à les convaincre et tout. Et du coup, le voyage se prépare, je voyage, j'arrive. Et très vite, en fait, il faut être très réactif pour communiquer avec l'école sur déjà ta chambre, comment ça arrive, comment ça se passe quand tu arrives, où est-ce que tu vas loger. Donc, il faut prendre contact très vite avec l'école. Parce qu'ils s'organisent aussi de leur côté pour avoir des partenariats avec les logements, notamment le CROUS. Donc ça avait été fait très réactif aussi sur le choix de la filière. Savoir que dans certaines écoles de commerce, il y a plusieurs parcours. Dans mon école, tu choisissais un parcours, ce n'était pas un choix de cours, c'était un choix de parcours. Donc tu choisissais un parcours et il y avait des cours prédéfinis que tu savais que tu allais faire. Donc j'avais choisi un parcours du coup en expertise comptable, audit et conseil, et un parcours aussi en alternance. Dans l'alternance, c'est-à-dire que je devais être à la fois à l'école et à l'entreprise. L'avantage, c'est que c'est l'entreprise qui était censée financer mes études. Et donc, j'alternais entre 3 semaines à l'école, 1 semaine en cours, enfin, ou en entreprise. Ça dépend vraiment des programmes, comment c'est ficelé. Mon programme, moi, du coup, je commençais en septembre l'année, début septembre jusqu'en fin novembre. Et puis, je vais dans l'entreprise. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. La première expérience à trouver qui était très très laborieuse parce que là tu découvres comment on fait un CV, tu découvres comment il faut postuler, tu découvres les lettres de motivation pour les entreprises et tout. Et là je me mets dans la recherche de stage du coup. C'était une période du coup très très compliquée parce que tu postules, tu n'es pas rappelé, tu sais même pas si ton CV est arrivé. Quand tu as de la chance, on te répond pour te dire non. Là au moins tu sais qu'on a vu ton CV, bon, on t'a pas retenu. Et là j'avais une tonne de CV. Et donc, tu vois tout le monde, tu vois la famille, tu vois des contacts professionnels que tu as, tu vois des professeurs pour t'aider à refaire le CV, à modifier ta présentation, à préparer ton pitch de présentation. Et donc là, tu fais ça. Et c'est dur parce que quand on ne te répond pas ou quand on te répond négativement, tu as l'impression que c'est toi qui es mauvais en fait. Et donc, tu te remets tout le temps en question de savoir est-ce que c'est mon profil qui n'est pas le bon? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas assez bon? Surtout que tu vois tes camarades qui ont des stages enfin, assez rapidement. Et enfin, quand tu jauges au niveau, c'est pas que t'es prétentieux, mais tu sais qu'ils sont pas de loin meilleurs que toi, voire pas du tout, quoi. Mais toi, t'as pas de réponse, quoi. Toi, ça se passe pas du tout bien. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans cette période-là, c'est d'avoir, premièrement, de la famille qui te soutiennent, qui te réconfortent, parce qu'ils sont passés par là avant toi. Des amis qui étaient là avant toi et qui sont passés par les mêmes étapes, en fait. Et tu te rends compte que, voilà, le plus dur, c'est la première expérience, parce que tout le monde est passé par là. Et généralement, voilà, enfin. C'est assez sportif, on va dire. Et donc, c'est là que tu reprends espoir, quoi. Enfin, tu passes chaud, il y a des moments où tu es au creux de la vague, où c'est difficile, où tu as envie d'abandonner, tu fais des semaines sans postuler. Et après, on te remotive de toute façon. Enfin, il y a on t'attend pas, quoi. On t'attend pas du tout, quoi. Donc, tu dois te débrouiller pour que ça marche. Et donc, là, tu te remotives, tu postules, tu postules. Et moi, je me souviens que là, j'étais censé être en stage au départ de décembre à mars pour la première année. Et revenir à l'école en avril. Et donc, de septembre à mars, non, depuis que je suis arrivé de septembre jusqu'à novembre, je n'avais pas trouvé. Pendant les 3 mois où mes camarades étaient en entreprise, moi, je n'ai pas trouvé. Donc, j'étais à la maison.
Et lorsqu'on revient à l'école, c'est le plus dur parce que là, il y a tout le monde qui raconte son expérience. Voilà, c'était super, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Ils font les liens, ce qu'on a vu en classe et tout, les professeurs qui posent des questions. Et quand on arrive à ton tour, alors toi, t'en es où là? Et bah, t'es nulle part quoi. T'étais en 3 mois de congé et t'as pas grand-chose à raconter. Donc c'est assez déstabilisant quand même. Mais du coup, j'ai continué à postuler. Finalement, en toute fin d'année de ma première année de mon master 1, hein, je trouve finalement mon apprentissage au crédit foncier, du coup en banque, en poste pilotage des risques. Et là, tu peux dire ouf quoi. Là, tu dis ouf parce que voilà, enfin, tu as la première expérience que tu veux avoir. Tu sais qu'au niveau des frais de scolarité, voilà, ça va alléger les parents quand même. Toi aussi, ça va te décharger d'emploi. Et donc là, je fais ma première expérience, du coup, mon alternance qui durera une année. Et ça se passe très très bien. Je découvre pas mal de choses. Je vois ce qui commence à me plaire, ce qui m'intéresse. Voilà, je découvre ce que je sais faire, ce que je sais moins bien faire. J'apprends pas mal de choses sur mon domaine. Et lorsqu'on revient encore, du coup, enfin, là, tu es content, quoi. Tu as des choses à raconter aussi de ton tour. Tu vois. Là, ça se passe bien, tu as des choses à dire. Et ça m'a beaucoup aidé, cette expérience-là, pour rechercher le travail par la suite. Parce que lorsqu'on revient, je trouve un CDI directement après les études, j'ai pas eu le temps d'arrêt. J'ai trouvé mon CDI à Rouen, du coup, chez PwC, un cabinet d'audit et d'expertise comptable, directement à la fin de mes études. Et j'ai postulé mon expérience. Du coup, ma première expérience m'a été très utile parce qu'ils ont beaucoup apprécié le profil. J'avais un bon bagage comptable théorique, on va dire, et j'avais un bon stage par la suite aussi. Donc, je peux dire pour ce CDI-là, ce qui m'a été utile, c'était, on va dire, le parcours académique qui était voilà, assez bien orienté pour ce que je voulais faire. Et aussi, du coup, mon stage qui était orienté risque, profil banque aussi. C'était très intéressant pour eux. Donc, j'ai commencé chez PwC, du coup, en octobre 2018. Et j'y suis depuis 2 ans maintenant. Je suis, du coup, mon parcours d'auditeur. Parallèlement, je fais une forme. Enfin, je continue le parcours d'expertise comptable à côté pour devenir expert comptable. Et voilà, c'est une autre histoire qu'on vous racontera certainement une prochaine fois. Ce que j'aurais fait de différent si je devais refaire mon parcours, la première chose, je crois la plus fondamentale que j'aurais fait différemment, c'est ne pas négliger l'anglais. Comme je l'ai dit précédemment, c'est l'une des matières qui m'a posé le plus de problèmes. Autant pour mes écoles, lorsque je cherchais les écoles, que même pour les stages, lorsque je les cherchais. Parce que c'est capital en fait, ça revient tout le temps, peu importe le domaine maintenant où tu veux travailler, peu importe le niveau, l'anglais revient tout le temps, quoi, c'est quasiment incontournable. Et donc, limite, on ne se préoccupe même pas de tes compétences techniques d'abord, c'est est-ce que tu sais parler anglais? Et donc, première des choses que j'aurais changé, c'est prendre l'anglais beaucoup plus au sérieux et beaucoup plus tôt. Première des choses que j'aurais changé. Deuxième chose que j'aurais changé lorsque je suis dans mon parcours, c'était savoir assez vite ce que tu veux faire. C'est hyper important de savoir, de réussir à déterminer assez vite ce que tu veux faire parce que ça te permet de bien cibler en fait tes centres d'intérêt. Dans mon parcours, en tout cas d'où je viens au Cameroun, on a beaucoup de matières auxquelles tu es confronté, mais qui ne te sont pas toutes utiles. Par contre, il y en a d'autres qui sont hyper capitales pour ce que tu veux faire. Donc, savoir assez vite ce que tu veux faire te permet de vite te positionner sur les matières que tu vas cibler, prendre plus au sérieux que d'autres, et les compétences que tu vas développer en parallèle. Troisième chose que j'aurais fait différemment, c'était d'apprendre à parler en public, d'apprendre à présenter. Parce que lorsque tu postules pour des stages, lorsque tu postules pour un CDI, lorsque tu fais des exposés en classe, tu te rends très vite compte qu'en fait, c'est pas ce que tu sais qui est important. C'est est-ce que tu sais faire savoir ce que tu sais qui est important. Et donc, du coup, que ce soit en classe avec tes camarades pour des exposés, des fois tu as fait l'exposé, mais le mec présente 10 fois mieux que toi, quoi. Et c'est lui qu'on applaudit et pas toi. Le mec sait faire un PPT, toi tu sais pas le faire, mais tu as les idées. Donc, du coup, enfin, il peut te dire, vas-y, je vais pas travailler, réfléchis, et moi je fais le PPT. Et donc, au final, il présente mieux que toi. Et lorsque tu cherches un stage, un travail, lorsque tu veux te parler à des personnes, que tu sois commercial, que tu sois financier, que tu sois ingénieur, ce qui compte en fait, c'est l'impression que les gens ont de ce que tu dis. C'est pas tant le fond. Le fond est important, mais c'est surtout la forme avec laquelle tu la présentes. Donc, apprendre à présenter. Que ce soit le verbal, que ce soit l'écrit, que ce soit un PowerPoint, apprendre à présenter. Et quatrième chose, c'est. Alors, je n'aurais pas changé ça, je vous dis, c'est un bon atout avec lequel je partais, c'est être bien entouré.
bien entouré parce que lorsque tu arrives, tu es très vite confronté à des réalités différentes du pays dans lequel tu viens, que ce soit le froid, mais même les difficultés réelles de tu es livré à toi-même, il faut te débrouiller pour, je sais pas moi, chercher un stage, trouver de l'argent pour manger, pour payer ton loyer. Et si tu es mal entouré, tu n'auras pas les bons conseils de savoir à quelle porte il faut frapper, savoir qu'il faut déposer ton dossier à temps pour avoir la CAF, par exemple, qui est très important. Quand tu es étudiant, tu comprendras à quoi sert la CAF pour combler tes fins de mois. Savoir que tu peux postuler pour faire un petit job le samedi ou le dimanche pour arrondir tes fins de mois. Et voilà, ne pas te décourager aussi surtout. Parce que c'est sûr, à coup sûr, tu auras des mois, tu vas te dire, je veux juste abandonner quoi. C'est soit je suis nul, soit même pas, soit ils sont racistes. Et si tu n'as pas des personnes autour de toi qui sont passées par là, qui seront te dire qu'écoute, limite qu'ils vont en rigoler. Moi, j'ai des amis qui m'avaient donné un surnom déjà, tellement j'avais passé des entretiens que j'avais été recalé. Mais voilà, au final, c'est de bons souvenirs que tu en gardes parce que tu avais des gens autour de toi qui t'ont accompagné pendant cette période-là et qui t'ont dit de ne pas abandonner, qui t'ont conseillé pour des entretiens, qui t'ont conseillé sur où est-ce que tu peux envoyer ton CV pour te faire un peu de sous par là. Et c'est toujours très important, quoi. Donc, c'est ce que j'aurais gardé, les quatre choses importantes que j'aurais fait différemment ou. Oui, fait différemment, j'aurais dit, selon pendant mon parcours. Pour résumer, je dirais que mon parcours, c'est. Enfin, ce que je peux garder comme fond, en fait, c'est être déterminé dans ce que tu veux faire et croire en ce que tu veux faire, peu importe ce qu'on va te dire. Moi, je vois tout mon parcours depuis la sixième où j'ai échoué des concours. Où on m'a dit, voilà, enfin, comment dire, t'es au lycée, t'es pas un collège et tout, tu fais pas partie des meilleurs par là. Quand je suis arrivé à l'université, on nous a dit, il n'y a pas beaucoup de vous qui finiront expert-comptable, par exemple. Mais toutes ces étapes-là, c'est tout ce que je garde, en fait, c'est décider au fond de toi, en fait, ce que tu veux et t'accrocher à ce que tu veux faire. Tu auras des difficultés, tu auras des obstacles. Mais aujourd'hui, parti du CES, je suis aujourd'hui, voilà, où je suis. Et je poursuis mon parcours d'expertise comptable, je suis à quoi, 2 ans de la fin. C'est juste pour dire que c'est possible en fait, peu importe d'où tu viens, peu importe là où tu as commencé, c'est juste croire en ce que tu veux, donne-toi les moyens d'y arriver et accroche-toi quoi. Et tout est possible avec cela.